Philippe Léalé, le président des Amis du Musée Breton, qui va nous dévoiler le lauréat pour le prix des Amis. Bonjour à toutes et tous. Au fil des années, le Festival de Musique de Quimper s'est installé avec bonheur dans la saisonnalité culturelle quimperoise. Cette belle manifestation dans ce quartier de Locmaria est comme un écho vivace à l'histoire de la céramique de Quimper. Aux origines de la céramique de Quimper se trouvent avant tout des pièces utilitaires, des grès, des faïences, des terres cuites. Des pièces d'usage qui avaient avant tout pour vocation l'utilité. Et pourtant, dans leur simplicité et leur rusticité, aujourd'hui on trouve ces pièces fort belles. L'adéquation de la forme et de l'usage, de l'esthétique au quotidien, c'est une des raisons d'être du prix des Amis du Musée Breton. Avant de remettre ce prix, je voudrais juste ici rendre un petit hommage à deux personnes qui nous ont quittés cette année, à savoir d'abord Philippe Lestum, le conservateur du Musée Breton, qui a été notamment l'instigation d'une très belle exposition sur la céramique contemporaine il y a quelques années. Et puis ensuite aussi une pensée pour Maurice Fouyenne, qui occupait la Maison Jaune, qui est juste derrière nous, et qui était le gardien du temple de la faïencerie. Voilà, donc nous nous sommes réunis. Nous avons, oui, quelques remerciements aussi par rapport à l'organisation du festival, qui est absolument impeccable. Merci beaucoup à Philippe Bernel. Merci aussi à mes acolytes du musée départemental de l'Association des Amis et des bénévoles qui tiennent le stand pendant le week-end. Et donc nous avons décidé de remettre le prix à Tiffany Gauthier, qui doit être par là-bas. Je ne sais pas s'il y a moyen de la prévenir pour qu'elle vienne. Voilà, qui fait un magnifique travail autour du grès et de la porcelaine. Voilà, des pièces qui sont tournées avec une technicité qui est absolument remarquable. Voilà. Bon, espérons qu'elle ne se soit pas éloignée de son stand. Non, ça y est, elle arrive. C'est bon. Je veux bien. C'est une journée qui commence. Donc en fait, le prix des Amis du Musée départemental breton n'est pas un prix lié à l'achat d'une pièce. Ce serait beaucoup trop compliqué à faire rentrer en collection au niveau du musée départemental. Donc c'est un prix que l'on remet de manière... c'est un chèque que l'on va remettre à la cérémonie. Bravo. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre travail? Bonjour. Merci beaucoup, je suis très touchée. Je travaille à la céramique depuis une vingtaine d'années et je me suis installée à mon compte il y a 6 ans. J'ai un bagage de tourneuse qui me permet aujourd'hui d'explorer les pièces uniques un peu plus techniques avec un travail de décor réalisé avec de la porcelaine. Je suis très touchée, vraiment. Merci beaucoup. Voilà.